Salut bande de déglingos. Ça y est, les phases de poule sont terminées. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Mais avant de passer à mon nouveau pronostic, je suis bien obligé de rendre encore quelques petits hommages. Oui, c'est bien triste. Cette Coupe du Monde est vraiment cruelle. On croirait dans un épisode de Game of Thrones. Donc rien que pour ça, même si la France a fait un match nul, on peut quand même leur dire bravo. Chapeau les bleus. Blague de merde. Non, c'est vrai qu'on n'a pas fait un grand match, mais on est premier de notre groupe, on est qualifié pour les 8e de finale contre le Nigeria, et rien que pour ça, on peut être super heureux. Mais là, je crois que vous avez compris, c'est que moi, j'ai un petit souci. J'ai fait 6 pronos, 3 bons et 3 mauvais. Donc j'arrive à 50%, je chute. C'est que je fais des pronostics inversés. Quand la France doit faire match nul, elle met plein de buts, et quand elle doit mettre plein de buts, elle fait match nul. C'est agaçant quand même. Aussi agaçant que de parler la tête à l'envers. Je me suis relevé trop vite. Bon, en plus de ça, la technique des Haribo, je crois que je l'ai un petit peu dans le pet. Merci Haribo. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits, mais pas pour les pronostiqueurs. Ok ? Donc, on oublie Haribo. Donc, pour inverser la tendance d'inversement de mes pronos inverses, je pense que je vais prendre la technique de je vais pronostiquer l'inverse de ce que je souhaiterais qu'il arrive. Vous avez compris ? Le truc, c'est qu'on a rencontré une seule fois le Nigeria. En 2009, et ils ont gagné 1-0. Donc la logique voudrait peut-être qu'ils gagnent également 1-0, et que nous, on dise au revoir au Brésil. Donc, je vais parier pour la victoire du Nigeria. Au revoir, France. Donc je pronostique une victoire du Nigeria. Oh non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc je vais inverser la technique d'inversement de l'inversement de machin truc et je vais suivre la technique de mon cœur, tiens. Et je dis 1-0 pour la France. Comme ça, on va en quart de finale. Ouais, mon pote. Résultat, lundi soir, et d'ici là, tous derrière les bleus. Deux fois dans le monde. Mais toi, je te l'avais dit, Diwog, t'es nul à fier. Moi et mes potes, on est meilleurs que toi, tu vois. Écoute-moi, sale petite bête. Ferme bien ta tronche. Non mais, c'est qui le patron ? Ah, allez les bleus !